Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo un peu spéciale. Vous voyez mes cheveux tout en pétard, c'est parce que c'est ma chouette qui a mis mes cheveux en pétard. Bien fait. Voilà. Elle arrêtait pas de toucher à mes cheveux et tout ça, et comme justement j'avais un soin à faire, bah je me suis dit que Choupette allait me faire un soin sur les cheveux. Maintenant, je ne touche plus les cheveux, j'ai fini de me coiffer. T'as fini de me coiffer là? Ah non, t'as pas commencé? Si. Non mais tu vas me faire le soin pour de vrai. En fait, elle n'arrive pas à y croire parce que d'habitude, je lui dis non, on fait pour de faux, tu mets un petit peu de produit, ceci, cela. Et comme là, c'est pour de vrai, vraiment, elle a du mal à y croire. Donc, Choupette, tu vas me faire les soins sur les cheveux. D'accord? Fais comme ça et je te coiffe les cheveux. D'accord, ok. Bon, bah, on va dans la salle de bain alors. C'est parti. Oh là, elle a carrément mis la serviette, la petite chaise pour que je m'assieds. Bon bah ok, c'est parti hein. Donne la caméra. T'as dit quoi? Donne la caméra. Ah non, par contre, je peux pas tenir la caméra. C'est pas trop chaud, Choupette? Non. T'es sûre hein? Ouais. T'as dit quoi? Si t'as vu la chaise. D'accord. Mets ta tête en arrière. Mets ma tête en arrière? Oui. T'es sûre hein? Ça va bien marcher? Oui. Allez, mets ta tête en arrière. Attends, il faut mettre le dos. Alors moi j'ai pas besoin de chaise Choupette, hein, parce que sinon je pourrais pas. Et c'est parti, je me suis installée. C'est Choupette qui fait les cheveux, c'est trop marrant. Allez, mets de l'eau partout. Ferme les yeux, je vais mettre ici. Tu vois pas que tu mets ta tête. Vas-y. Ah, il y a de l'eau qui tombe. Vas-y Choupette, vas-y. Mes cheveux se sont coincés. Voilà ça. Vas-y, mets de l'eau partout. C'est bon, j'ai mis de l'eau partout. À l'intérieur. À l'intérieur. Ouais, alors, les cheveux sont tout bien lavés. Non, Choupette, attends! Là, t'as mis quoi? Ça, c'est le démêlant, Choupette. Bon, quoique, oui, c'est vrai, tu peux mettre le démêlant maintenant. Maintenant, bon. Je peux mettre maintenant le démêlant. Voilà, donc Choupette avait raison. Hein, on va démêler. Les cheveux sont mouillés, c'est plus facile à démêler. Donc, Choupette, avant de démêler, viens à côté. Avant de démêler, maman, elle va sectionner les cheveux en quatre. D'accord? Maintenant? Voilà, j'ai sectionné les cheveux en quatre. Oui, tu peux frotter. Tu poses là. Mais Choupette, comme tu as déjà du produit dans la main, je vais quand même t'expliquer quelque chose. Vas-y, Choupette. Tu peux mettre le produit sur moi. Et tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas masser les cheveux, d'accord? Avec les doigts. Regarde. Tu vas prendre un petit bout comme ça. Et tu vas masser comme ça, avec les doigts. Bon, j'essaie de la laisser faire hein, parce que sinon je vais être comme ça. Faut bien masser les cheveux comme ça, Choupette, vers le bas. Regarde, tu prends un cheveu et tu masses vers le bas. Vas-y. T'arrives? Oui. Vas-y, masse bien les cheveux. Tu veux encore du produit? Oui. Et pas beaucoup hein. Tu mélanges. C'est bien Choupette. Tu veux encore? T'as attaché? Oui. Voilà. Elle a attaché. Attends, je vais t'aider, Choupette. On a utilisé le démêlant boucle sublime de la gamme huile extraordinaire de chez L'Oréal Paris. Donc vous connaissez certainement parce qu'on a vu pas mal de revues sur YouTube. Et je peux dire que ça démêle vraiment bien. Donc on va attacher. Donc là on n'utilise vraiment que les doigts pour démêler hein, parce que c'est l'expérience avec Choupette. On va pas utiliser de brosse etc parce que voilà ça va durer trop longtemps et que Choupette elle peut pas maîtriser ça encore. Ce sera peut-être dans la prochaine session. Vas-y hein. Ah mais tu me tires pas la tête comme ça Choupette, tu tires comme mais, ça. Mais tu tiens bien ta tête. Oui. Comme ça.
Rapproche-toi parce qu'on te voit pas à la caméra. On va rincer maintenant. Alors maintenant, on va passer au shampoing. Donc avec le shampoing boucle sublime de chez LCM, on va tester. Hein. Donc je vais laisser Choupette me faire un peu le shampoing et après moi je vais vraiment bien le faire. On y va ? Vous motivez ? Ok, c'est parti. Voilà. Ici comme ça. Frotte comme ça. Tu tiens comme ça et tu étires avec les doigts, comme ça. Tu vois ? Voilà. Je fais comme ça et moi je fais comme ça. Voilà, après tu changes un peu, tu fais avec tous les doigts. Voilà. Et maintenant on va mettre le shampoing. Tiens. Voilà. Comme ça. Ici en haut. Je vous disais que ce shampoing est un sublimateur de boucles et j'ai l'impression qu'il a fait ressortir mes boucles un peu. Et j'aime beaucoup l'effet que ça a. Je trouve qu'en vidéo, on voit pas aussi bien que moi je vois en vrai. Alors, ça y est, j'ai rincé mes cheveux. C'est marrant parce qu'ils sont tout légers en fait. J'ai pas l'habitude de ressentir ça dans mes cheveux. Ils sont légers, comme si mes cheveux étaient fins. Alors que j'ai un cheveu épais quoi. Et bon, là on va passer à l'étape suivante. On va voir si Choupette elle est toujours motivée. Sinon c'est pas grave. On va mettre les cheveux en vanille. Et on va utiliser une huile extraordinaire de chez L'Oréal, encore une fois. Donc là, c'est en fait je vais zoomer. Ce sont 6 huiles mélangées. Donc ce sont 6 huiles mélangées, des huiles rares. Donc pour sublimer les cheveux. Tu veux faire la vidéo maintenant? Ça y est, elle est arrivée. Ça y est, on est prête. Je te mets un peu dans la main. Et tu frottes et après tu mets partout comme ça sur les cheveux. Ok ? On a sur une seule main, on montre aux gens comment on met. Juste une pompe. Voilà, tu frottes dans les mains et tu mets sur les cheveux. Voilà. On va démêler avec la brosse un tout petit peu sur les points. Tu te rappelles comment on fait ? Parce que ça, je l'ai déjà appris. On fait comme on tient en bas et on brosse la pointe tout doucement. Pas avoir peur. Après, on monte. Voilà. Après, tu vois, je fais que ça glisse tout seul la brosse. Et vous aussi d'ailleurs. Hein. Voilà, je vous ai montré comment... Ça, c'est hyper pratique pour les enfants et pour les adultes, pour démêler les cheveux. Alors, j'aime vraiment beaucoup l'état dans lequel mes cheveux sont. Parce que non seulement ils ont cet aspect de légèreté suite au shampoing, et avec l'huile en plus, nickel. Tu peux mettre... Serre bien fort la vanille, Choupette. Voilà, pas très très fort. Voilà. Non, pas comme ça, Choupette, faut pas tout doucement. Pourquoi faire la vanille? Parce que comme ça, ça va pas se défaire. Ah. Ça va défaire un peu. Tu fais bien les vanilles, Choupette, hein? Tu vas faire partout. Oui. Bon bah c'est parti, elle est motivée. Regardons la vanille que Choupette a fait. T'as voilà. Mal fait, j'ai mal fait. Elle est pas un peu culottée celle-là. Voilà. Donc ça va, elle s'est bien débrouillée. Hein.
C'est bien débrouillé. La choupette, elle s'est bien débrouillée. Bon, allez, c'est parti. On va faire les vanilles partout, partout, partout. Ouh là 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 là. Ok, c'est parti. Bon, on va s'organiser comme ça. Moi, je vais faire les démêlages. Et elle, elle va faire les vanilles. On fait comme ça, choupette? Je fais les démêlages et toi, je fais les vanilles. T'as lavé, t'as fait le shampoing, t'as fait le démêlage et t'as fait les vanilles. Bon, moi je vais continuer hein, parce qu'elle va pas faire toute ma tête quand même. En tout cas, maman, elle était contente. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si elle vous a plu, surtout laissez un pouce en l'air, laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. Et je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça avec elle, sur des peut-être sur des produits en particulier ou sur des méthodes en particulier, si j'ai envie de lui apprendre à démêler, si j'ai envie de lui apprendre à faire une vanille, une tresse ou autre chose. Voilà, en fonction des thématiques, je vais essayer de créer des thématiques. Si ça vous intéresse, si vous avez des idées aussi, bah, n'hésitez pas. Et j'ai été ravie. Et toi, t'étais contente, choupette? Oui. Bon, tu fais des bisous à tout le monde là-bas. Au revoir.